Slow down, but homie, I'm just living my life. Ain't gonna do what you think is right, cause that's stressing me out. They telling me they know what's best, but will I care? Salut tout le monde, c'est Captain V, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui avec une clé de Jeep et je vais vous montrer comment remplacer la pile à l'intérieur. Donc vous allez tirer là-dessus pour libérer la clé de secours. Et ensuite, eh bien, il y a le trou pour ranger la clé bien sûr et le trou juste au-dessus qui nous permettra d'accéder au compartiment des piles. Donc je place directement la clé dedans et je vais tout simplement tourner la clé à l'intérieur, ce qui va permettre de créer une fente entre les deux parties de clé. Ensuite, vous allez les séparer. Donc là, je viens avec mes doigts. Voilà, vous voyez, ça se sépare. Et ici, avec un tournevis plat, on fait levier et on a accès à la pile bouton. Je vais vous montrer son modèle tout de suite. Pile bouton CR2032 3 volts. Vous aurez un lien en description de vidéo si vous voulez en commander une ou deux sur la boutique Amazon. Ici, je replace le plus face au plastique. Je place la pile. Et on a juste à reconstituer maintenant la clé en appuyant sur les bords pour bien la clipser. Et ensuite, eh bien, on pourra directement remettre la clé de secours à son emplacement. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça a fonctionné sur votre clé à vous, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu sous la vidéo. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde !